Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre mois du 1er au 30 septembre 2024. Et comme d'habitude, vous aurez après du 15 au 30. D'accord? Alors, sincèrement, je ne vais pas vous le cacher, mes amis scorpions, je ne sais pas ce qu'on dit, mais c'est déplorable. Il y a des litiges, il y a la guéguerre partout, il y a des conflits partout, hein, ça a été compliqué. Très compliqué. D'accord, en espérant que ce mois de septembre sera un peu mieux pour nous. D'accord? Bon, on va aller voir ce qu'on nous dit en espérant que, ben, on a un petit peu de beau fixe. Hein, d'accord? Bon, par contre, n'hésitez pas à prendre contact avec Chadrine. Chadrine, c'est mon amie hein, qui est sophrologue et qui fait de la médecine chinoise, à tout ce que je fais pas. Donc, n'hésitez pas à la contacter. D'accord? Allez, on y va. Nous allons partir avec les messages des planètes. Qu'est-ce que j'ai à vous dire en 6 cartes? Hop là, pas. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Tiens donc, on va prendre deux de deck quand même. D'accord. Bon, vos amis scorpions. On pose des actions durant ce mois de septembre. On part sur des projets à long terme. D'accord? Le soleil est là, que ce soit professionnel ou sentimental. On reprend confiance en nous. On peut être fier de nous. Nous allons prendre de nouvelles responsabilités. Et vous allez vraiment ressentir en vous, que vous êtes devenu beaucoup plus mature. Laissez le passé derrière vous. Les choses sont là pour une reconstruction. Vous allez vous réaligner. Peut-être que vous êtes aussi un petit peu trop. Ça, c'est notre si on n'y peut rien. C'est comme ça, hein? Peut-être qu'on est un peu trop perfectionniste, peut-être un peu trop exigeant envers nous-mêmes, d'accord? Mais il va falloir se recentrer sur nous. Ça va être très important. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on doit être dans la méfiance, ou peut-être qu'on a dû être dans la méfiance, que nous ne sommes pas le premier encore, hein. Nous sommes le 27 aujourd'hui. Peut-être qu'on était dans la méfiance par rapport à des propositions, d'accord? On était complètement dans le grand brouillard, d'accord? Là, on est en train d'ouvrir les yeux, on est très intelligente, on a une intelligence intuitive aussi très très puissante, d'accord? Mais entre intuition et illusion, soyez vraiment dans le juste discernement. Faites attention à des choses. On me dit que là, il y a une rencontre importante qui arrive vers vous. Alors, ça peut être une rencontre avec vous-même, avec énormément plus de sagesse, d'accord? Puisque là, on sort du brouillard, on ouvre enfin les yeux. Ça peut être aussi, donc une sagesse intérieure, comme je vous l'ai dit. Ça peut être aussi une rencontre importante envers vous-même, ou ça peut être une rencontre importante qui arrive dans votre vie. Je ne parle pas spécialement de sentimental, mais bon, je pense que oui, parce que là, après la suite, oui. On parle de séduction, on parle de sensibilité, on parle de tendresse, d'équipe, de chance et de confiance en soi. On dit qu'on va devoir verbaliser des choses et on me dit qu'on va montrer nos vraies valeurs. Avec les guides 44, les guides sont là aussi pour qu'on puisse se rééquilibrer. Effectivement, il y a un changement pour nous. On parle de beaucoup de passion, on dit qu'on ouvre les yeux, les choses vont être sincères. On parle de sexe, d'harmonie, de douceur, d'équilibre et de plénitude. C'est le hard, 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 l'ardeur la plus puissante. Voilà, d'accord? Pour certains ou certaines, on prend sa propre liberté. Il y a un cadeau inattendu qui arrive. C'est un grand oui. Soyez vous-même, dépassez-vous et surtout, n'ayez pas peur. Ça peut être, n'ayez pas peur envers vous-même. D'accord? Peut-être que vous avez besoin de tendresse, mais vous n'avez pas fait n'importe quoi, vous êtes méfié. Il fallait peut-être que vous repreniez votre équipe pour passer à l'action et aller chercher autre chose. D'accord? En tout cas, pour certains, c'est sûr et certain, il y a une rencontre. D'accord? Ok. Nous allons partir sur l'oracle de la destinée. Qu'est-ce que j'ai à dire pour mes amis scorpions du 1er au 30 septembre? On y va. Ça fait longtemps qu'on réfléchit.
Peut-être qu'il est temps de prendre des risques maintenant. D'accord? Par contre, faut pas non plus être dans l'euphorie. D'accord? Faut continuer à réfléchir en toute sagesse. D'accord? Malgré votre déni, malgré votre désir, soyez rationnel. D'accord? Il y a vraiment une opportunité qui arrive à vous pour partir sur un nouveau départ, mais ne soyez pas trop dans l'euphorie. En tout cas, la réflexion, la prise de temps que vous avez prise, c'était pour couper quelque chose qui était mort, qui était obsolète, qui n'existait plus, afin de pouvoir renaître, afin de reprendre sa propre énergie, afin de partir sur de nouveaux projets, que ce soit amical, sentimental ou sentimental, professionnel et financière. La nouvelle vie, elle est là. On doit laisser le passé derrière nous pour aller chercher ce propre changement qu'on attend depuis plus de 10 ans maintenant, hein, je crois. Oui, c'est comme ça. On me dit que là, vous avez cherché des vérités afin d'évaluer une situation. On me dit que là, il y a une importante décision à prendre. Le juste mot, c'est être dans la justice, c'est-à-dire que ne pas vous égarer. D'accord? Pesez le pour et le contre afin de reprendre votre équilibre. Vous allez avoir un choix très important à prendre et une décision très importante à prendre pour aller chercher ce changement. Non, il y en a deux, j'en prends qu'une par une, s'il vous plaît. Peut-être que tout simplement, il y a un accroissement de votre activité, un accroissement de votre statut. En tout cas, vous êtes en train de finaliser des projets. Vous avez tout le pouvoir pour y arriver. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de stresser. Il y a des choses qui vont être tranchées parce que vous recommencez. C'est pas vous recommencez. Vous reprenez réellement les commandes de votre vie pour partir sur ce changement, sur ce nouveau commencement. Nous avons deux fois le chiffre 1, nouveau départ. Là, nous avions besoin d'être en mode ermite. La solitude ne nous pèse pas spécialement. On s'habitue à notre solitude. D'accord? Mais on avait besoin peut-être de se mettre en retrait afin de pouvoir réfléchir et comprendre ce qu'on souhaitait réellement dans notre vie. Qu'est-ce qu'on souhaitait réellement pour ce propre changement, surtout pour repartir sur ce nouveau départ. Il fallait que le changement soit acté pour qu'on prenne la direction de ce nouveau départ. Et j'ai bien dit, là il y a une opportunité qui arrive. Nous avons tiré des leçons du passé. Nous nous sommes posés enfin les bonnes questions. Et là, il y a bien une renaissance. Hein. La joie revient. Hein. La bonne étoile, elle est là. Hein. La bonne étoile, elle est là. La roue recommence à tourner. Des opportunités arrivent. Et c'est bien au mois de septembre. Hein. D'accord? Et ça sera peut-être le 7 septembre. Sachant que la vidéo, en plus, je la fais. Ah ben non, je ne l'avais pas, c'est celle de la semaine que je viens de faire, juste avant vous. Peut-être que ça sera vers le 7 septembre. D'accord? On me dit que là, vous étiez vraiment dans la tradition, dans la nostalgie, la réflexion d'un passé, vous êtes interrogé, tout allait trop vite. Pour vous, en tout cas, hein, à plus savoir quoi faire, être complètement perdu. Ben oui. Vous avez été déçu, on vous a déçu, que ce soit sentimental, professionnel, familial, il y a une cassure, il y a une brisure. Vous avez perdu votre équipe, vous avez perdu votre équipe. Peut-être que tout ça, ce que je dis, arrivera en début septembre. Hein. On a beaucoup de cartes en début septembre. Ouais. Il y a eu beaucoup de défis, je l'ai dit à la base, hein. Beaucoup de défis, beaucoup de problèmes. Je sais pas, notez le 5 septembre, je ne sais pas ce qui va se passer. La lune, elle est le 3, je vous ferai la lune demain, logiquement. Mais le 5 septembre, il va se passer quelque chose. Hein. Entre le 5 et le 6, il va se passer quelque chose. Hein. Vous allez devoir reprendre le contrôle de votre vie. Il y a beaucoup de défis, beaucoup de problématiques qui vont arriver sur votre chemin. Mais vous allez continuer à avancer malgré ce bouleversement que vous allez vivre. Bah, c'est pas encore ce mois-ci, apparemment, qu'on va dire. Hein. Le changement, ok, mais bon, peut-être que ça sera en fin de mois, hein, qui sait.
En tout cas, on me dit qu'il y a un rétablissement de notre équilibre, notre, par rapport surtout à notre santé. On parle qu'il y a une résolution pacifique et le changement, il est là. Parce qu'on vient de traverser une longue période de tempête, mais après la tempête, c'est le calme qui revient. C'était obligatoire. Parce que nous avions besoin de remettre de l'ordre dans notre tête. Il y a eu une réparation. Nous devions nous réparer. D'accord? À tout niveau. Ça peut être au niveau de santé, sentimental, amical, familial. Mais ça peut être aussi sur le financier. D'accord? Peut-être aussi que durant ce mois-ci, on aura des réparations à faire à la maison, à une voiture. Ou carrément se réparer sur nous-mêmes afin de se réajuster sur notre bonne lignée et bien réaligner tous nos 7 chakras. On dit qu'en tout cas, ça sera une progression continuellement tout le mois. Tout le mois. Ah oui. Ça peut être aussi par rapport à des enfants, puisqu'on a la fécondité, hein, d'accord? Peut-être qu'on s'est pris la tête à cause d'un enfant, du coup, hein, d'accord? En tout cas, vous revenez à vos principes de base. Vous avez besoin de solitude pour pouvoir retrouver votre propre épanouissement personnel. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose durant la première semaine de septembre. On me dit, vous savez jongler. Soyez vrai, restez intègre et fidèle à vos rêves. D'accord? Même si vous vous sentez perdu, vous allez trouver à jongler. Si nous, on ne sait pas jongler, moi, la peur, quand même. Nous, on essaye de tout maîtriser, on se casse la figure, mais on remaîtrise les choses, c'est waouh, hein. À la lune, c'est le 3. On sera déchiré entre raison et désir, il faudra écouter vraiment notre intuition, écouter nos rêves. On part de réveil, de lumière aussi, qui viendra à nous comme une évidence. La lune sera à double tranchant pour nous, d'accord ? Il va falloir qu'on se méfie, qu'on s'isole afin de comprendre des choses qu'on ne voit pas, afin d'aller chercher ce changement que nous attendons tous. La lune, elle va piquer. Hein. Encore et encore et encore. Pour certains ou certaines, vous avez besoin de retrouver une stabilité. Vous vous interrogez sur votre couple aussi pour certains ou certaines. Hein. Ou tout simplement, vous vous interrogez à quel moment je serai en couple aussi. D'accord? On me dit que vous vous sentez lasse, là. D'accord? Pourtant, il n'y a rien de particulier à part une problématique peut-être familiale. Mais là, pour certains ou certaines, je ne veux pas vous le cacher, il y a une situation dramatique. On a la tour. OK? Mais cette tour, elle est là pour nous faire comprendre les choses. Ça sera un mal pour un bien. Afin de repartir sur autre chose. Ce nouveau départ, ce nouveau changement, moi, je ne le vois pas avant fin septembre. Parce qu'il y a des choses qui vont être bouleversantes pour nous. D'accord? N'ayez pas peur, l'écroulement, c'est pour aller chercher notre propre construction. C'est pas joyeux. Peut-être que la tour nous amène à comprendre des choses. Et que peut-être que pour des scorpions, il y a eu des excès, des addictions, des tentations, des plaisirs. Et là, c'est stop. Parce que là, vous allez en payer les poids cassés. En gros, c'est ça. Hein. Attention à tout cela. La chance revient. On part d'un nouveau commencement. On part de reprendre espoir en nous. Pour concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur. D'accord? Il y a un réveil qui va être évident à l'intérieur de nous. On va se remettre à niveau. On va recontrôler notre vie. On va recontrôler notre santé. On va tout recontrôler. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va être prêt, durant ce mois qui va être compliqué, je ne vais pas vous le cacher, à soulever toutes les montagnes afin de reprendre l'empereur que nous avions perdu. Pour certains ou certaines, peut-être depuis 5 ans.
Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver la paix à l'intérieur de nous, reprendre une harmonie, reprendre la joie de vivre. On a aussi besoin de se réparer. Mais on veut aussi un nouveau commencement, ou professionnel, donc on veut une régénérescence professionnelle, ou alors nous voulons un nouveau commencement sentimental. Il y a des décisions vraiment rapides qu'il va falloir prendre, hein, d'accord ? Je vous dis, tout se passe début, la première semaine de septembre. Du 1er au 8, ça va bouger hein, pour nous. Pensez pas que les choses vont se régler toutes seules. Il va falloir bouger pour enfin sortir de votre grotte et aller chercher des solutions à votre problème. D'accord, de Dedeck ? Parce que vous en avez marre, là. Vous en avez marre. Vous vous sentez lié, pieds et poings liés. La situation ne vous convient plus telle qu'elle est. Vous retrouvez votre force. Vous reprenez votre liberté. Vous vous libérez d'un énorme poids. C'était important pour reprendre enfin vos forces. Eh bien, dites-moi. Je ne connais pas le titre parce que pour l'instant, ce n'est pas géant. Allez, nous allons partir avec demander à vos guides. D'accord ? Allez, on va aller voir. Pour mes amis scorpions. Vous savez, après, Sophia, elle est carrée. Hein. Elle ne va pas vous dire, oh, toi, bien se passer, c'est merveilleux. On a la vie du bisounours, non, ça n'existe pas. Bon, peut-être par rapport à un partenariat ou par rapport à l'amour, vous êtes vraiment en colère. En colère après vous-même, en colère après les autres. Là, ce que vous avez besoin, c'est de retrouver votre joie de vivre, mais vous avez perdu votre force de vie. C'est comme si vous avez fait un tri énorme encore, parce que nous, on fait un tri tous les mois hein, sur les personnes, hein, d'accord? Si vous avez éliminé énormément de personnes autour de vous, hein, vous avez compris qu'en fin de compte, ces personnes étaient à double tranchant, ou ces personnes n'étaient pas à votre hauteur par rapport au respect, par rapport aux valeurs, à vos propres valeurs, d'accord? Là, ce que vous voulez aller, c'est aller chercher votre propre futur. Pour certains ou certaines, vous sortez d'un tunnel noir. Pour certains ou certaines, vous sortez d'un escalator qui a été à grande vitesse ou un grand toboggan qui a été à grande vitesse pour remonter vite à la surface. Là, vous sortez de votre privation, en tout cas. Vous allez faire des compromis avec vous-même. Mais aussi, vous avez perdu un ancrage pour certains ou certaines. On a la maîtrise de soi. Vous devez reprendre la maîtrise de vous. Vous devez enlever encore toutes ces personnes qui sont toxiques, qui vont encore gravir durant ce mois de septembre autour de vous. Peut-être que il y a une personne qui est un enfant, parce qu'on a l'enfant et la mère avec l'amour inconditionnel de la Sainte Grâce Marie. Hein. Peut-être qu'il y a un de vos enfants qui doit reprendre la maîtrise de lui-même et d'elle-même, tout simplement parce qu'il y a des personnes toxiques autour de lui ou d'elle. Au mieux, ce que vous avez besoin, vous, c'est de reprendre le bonheur hein, et de vivre à plein dents. Mais on me dit clair, pour l'instant, vous vous cachez dans l'ombre. Pourtant, votre intuition, elle est bien là. Mais vous vous sentez seul, très seul. Marie, vous parlez peut-être à beaucoup de personnes, vous voyez beaucoup de personnes, vous êtes seul à l'intérieur de vous. Seul. Pour certains ou certaines... Tiens donc. Pour certains ou certaines, il y a des personnes qui vous ont fait mal. Ça peut être vous envoyer des mauvais sorts. Hein? Non, j'ai l'habitude, non. Vous envoyez des mauvais sorts, on a voulu votre perte. Votre perte de clientèle pour certains ou certaines, d'accord? Là, vous êtes en train de regarder la vérité en face. Il y a une révélation qui arrive pour vous. Et vous partez réellement chercher votre propre transformation. C'est fini. Là. Vous sortez enfin de votre souffrance. Alors qu'on vous a mis à mort, mais là, vous allez reprendre votre équilibre. Alors qu'on vous a mis à mort, vous allez retrouver votre équilibre. Et vous allez sortir de la frustration, de la lassitude et de l'ennui. Parce qu'il y a des choses qui vous ont épuisé, physiquement, moralement. À tout niveau. Sentimentalement, amicalement, familialement, financièrement, professionnellement. Wow.
tout vous a fatigué, épuisé, là. Bah, il y a eu du prix, il y a eu supercherie. Du prix, supercherie, mensonge et trahison. Ça n'a pas été la grande victoire pour vous, hein. Vous en avez bavé, hein. C'est pour ça que là, vous êtes beaucoup plus modéré, d'accord. Vous ne voulez plus prendre de risques maintenant, d'accord. Maintenant, vous faites confiance qu'à vous. Malgré qu'il y a eu pas mal de conflits à l'intérieur de vous. Au niveau familial aussi. On me dit que là, vous avez des nouveaux projets. Et pour l'instant, votre nouveau projet n'est pas encore assez ficelé. Il n'est pas encore assez préparé. On me dit que vous avez encore des ajustements à faire. Ce n'est pas prêt pour ce mois de septembre. Non. On me dit que là, vous allez avoir une décision à prendre. Déjà, c'est reprendre l'estime de vous-même. Parce qu'à un moment donné, vous étiez en plein doute. Mais là, vous sortez de votre doute. Et ce que vous rêviez, c'est de reprendre les commandes de votre vie. Et là, ça va arriver. Le leadership que vous êtes. Vous allez sortir de votre restriction. Vous allez retrouver le plaisir. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez brassé du vent. Là, vous prenez réellement un nouveau chemin après avoir analysé énormément de choses, même professionnellement. Pour certains ou certaines, vous avez eu du mal à renoncer peut-être à un travail. Mais c'est comme ça, vous allez devoir renoncer à un travail. Pour d'autres, on me dit que peut-être que vous avez du mal à vous réparer parce que vous n'arrivez pas à renoncer à une situation. Mais après une longue période de réflexion et de repos qui vous a mis complètement dans le désespoir, vous partez sur une nouvelle vie. Mais pour l'instant, vous cherchez des réponses parce que vous n'êtes pas content ou contente parce que vous sentez que les choses ne bougent pas assez rapidement pour vous. Ok. Waouh. Allez, nous allons prendre l'oracle des Médéors. Ok. Allez, pour mes amis scorpions. Pour tout le mois de septembre, du 1er au 30 septembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire du 1er au 30 septembre? Bah non, 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 non. On attend. Du 1er au 30 septembre, s'il vous plaît. Vous avez besoin de guérir de votre enfant à l'intérieur de vous. Afin de retrouver la lumière. Une fois que vous serez guéri sur votre enfant à l'intérieur, ça sera une grande réussite. Et l'abondance va arriver pour vous. C'est excellent. Ça sera en fin de mois. Okay. J'ai dit quoi tout à l'heure? Mauvaise œil, magie noire. Jalousie. Je ne sais pas ce qu'on a fait au bon Dieu pour ça, nous. Hein. C'est vrai. On dit qu'on a un nouveau chemin, un nouveau carrefour de notre vie. C'est la fin d'un cycle, là. Peut-être que c'est la fin aussi d'un cycle du mauvais œil et de la jalousie. Hein. D'accord. On dit que là, oui, je pense que c'est la fin. Tout simplement parce que là, nous allons partir sur un nouveau chemin où la période sera en stagnation. C'est-à-dire qu'il ne se passera rien, ça sera cool par rapport à la jalousie et le mauvais œil. Durant les 3 mois à venir, mes amis scorpions, il y a des retombées très très positives pour nous. D'accord? Durant les 3 mois à venir, il y a des retombées très très positives. On va pouvoir s'apaiser notre mental parce qu'on a débloqué notre troisième œil qui devient de plus en plus puissant. On regarde les choses différemment. Pour certains ou certaines, si vous étiez en couple, on me dit que là, il y a un choix à faire. Peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas encore quel choix vous allez faire, mais on me dit que pour l'instant, il faut lâcher prise dans votre mental. On me dit que parce que vous avez besoin d'une réharmonisation totale dans votre corps. Mais vous conscientisez énormément. Mais vous n'arrivez pas à dire les choses. Peut-être qu'il y a un pardon à faire. Un pardon à faire, ça peut être un transgénérationnel, d'accord? Parce qu'il y a un pardon à faire avec un nettoyage profond que vous devez faire. Parce qu'il y a des choses que vous gardez en vous. Une fois ce nettoyage profond, vous allez retrouver le plus grand bonheur. Tout simplement, c'est que vous avez compris qu'on vous a menti, qu'il y a eu pas mal de trahisons
On parle de diable, on parle de fausses paroles, de mensonges, par rapport à une rencontre peut-être que vous avez faite. Ou alors vous vous rendez compte qu'en fin de compte, vous êtes avec un diable ou une diablesse, d'accord? On dit de toute façon, vous le saviez parce que les réponses sont à l'intérieur de vous. On dit là ce que vous avez envie, c'est de reprendre la reine queen. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux sont bien ouverts. De toute façon, là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y avait qu'un œil qui était ouvert. Là, vous ouvrez vraiment les deux yeux. Et là, vous retrouvez enfin la paix à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose, il y a quelque chose que vous quittez pour certains ou certaines. Hein, c'est sans rancune, on tourne le dos. On tourne le dos. Et on accepte de tourner le dos. Parce qu'on ne peut pas faire autrement de toute façon. Peut-être que vous tournez le dos à une situation, peut-être parce que cette personne toxique, là, le diable, d'accord? Peut-être que vous avez connu cette personne dans des vies karmiques, dans vos vies antérieures, d'accord? On dit que là, c'est terminé, c'est la fin d'un cycle, c'est la mort pour la renaissance. Mais il y a des choses qui vous ont fait peur, des choses qui vous ont angoissé. Et là, vous partez, suite à tout cela, sur une grande transformation. Ça peut être aussi un enfant qui vous a fait peur, hein, parce que l'amour, c'est en tout genre, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a un enfant qui est revenu chez vous et qui était vraiment mal. Et cette personne, cet enfant vous a fait peur, tout simplement. Alors que ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu. Ça peut être ça. Allez, on y va, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Pour mes amis scorpions, qu'est-ce que j'ai à dire? Pour mes amis scorpions, le 1er au 30 septembre. Retour positif. Mais il va y avoir des négociations, des conciliations, des compromis à faire avec un homme ou avec une femme pour partir en fin de compte sur une belle évolution. Il n'y aura pas de verdict qui va être acté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le bon moment, il va falloir attendre. On dit qu'il n'y a rien qui s'écroule véritablement à ce niveau-là. Il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus rien. Mais pour l'instant, les choses ne bougent pas, sont stériles. Et c'est ça qui vous empêche de vous projeter sur quelque chose. Mais bizarrement, après c'est ce longtemps que je viens de dire, réciter, parce que chaque oracle va parler différemment, d'accord, soyez d'accord. Il y a un cadeau qui arrive, et par rapport à ce cadeau, peut-être que c'est vous qui allez faire un cadeau, quelqu'un, mais peut-être que vous allez recevoir aussi un cadeau. Ben, on parle d'un cadeau, sincèrement, on parle d'un cadeau au sein d'un foyer, et on parle de joie qui arrive à vous. Hein. D'accord? Alors, ça fait longtemps peut-être que c'était stérile. Hein? D'accord? Ben oui, on me dit que la chance revient. Vous vous protégez énormément. Mais il y a un retour. Il y a un on avait tout à l'heure retour positif. Il y a peut-être qu'il y a un retour, quelque chose que vous rêviez. Du coup, vous êtes enfermé là-dessus. Tout ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. On vous a fait énormément vous culpabiliser. Ce qui a fait que votre santé, elle a été en berne. Vous vous êtes senti trahi à un moment donné. Par qui? Par un enfant. On dit que là, vous avez fermé la porte. Rapidement. Pour aller chercher votre propre renaissance. Ben oui. Moi, je pense que là, il y a un échec. Hein. Un échec avec un enfant. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ben oui, c'est bien quelqu'un de la famille, en tout cas. Hein. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein. Ça peut être un enfant ou votre chérie, mais je ne sais pas. On parle de correspondance. Voilà, c'est l'hérédité. On est bien dans la famille, le milieu familial. Hein, ça vous parlera. Vous voyez si c'est un enfant, si c'est votre chérie, hein, d'accord? Si c'est un frère, si c'est une soeur, si c'est vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, je ne sais pas moi. Hein. D'accord? Vous avez ouvert les yeux aussi sur le financier. Pour certains ou certaines, pour ceux qui sont dans la clairvoyance, on dit que l'argent, j'ai vu depuis tout à l'heure, l'argent va rentrer au mois de septembre, hein, par rapport à votre clairvoyance, l'argent va rentrer, hein, ça va être miroir magique. Hein, vous allez pouvoir être tranquille, en tout cas financièrement, pour certains ou certaines. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Hein. Bon, écoutez, en tout cas, la tranquillité vous amène sur une grande victoire financière. Hein, d'accord? J'ai toujours pas de titre hein, pour vous. J'ai toujours pas. J'ai un essai. I don't know.
Allez, 29 minutes. On va prendre en quelques cartes l'oracle sacré. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas pris. D'accord? On va aller voir un message avant de partir sur le sentimental. À moins que la maison parle. On ira voir. On verra bien. Allez. Hop, 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 hop. Non, non, non. Ça va pas du tout, là. On dit que ces cartes, elles sont très fluides, donc. On parle de combat, de conflit, de dispute. Vous voyez, je vous l'ai dit dès le début, hein. Alors que tout allait bien pour vous, d'un seul coup, tout s'est bouleversé, là, hein. Suite à un déplacement. Il y a quelqu'un qui est venu chez vous, hein. Où vous êtes déplacé. Mais là, on parle de perte, de vol, de fraude. Quelque chose d'inattendu, quelque chose d'imprévu. On l'avait tout à l'heure. D'accord? Et là, c'est comme s'il y avait un coup de pouce de l'univers qui me dit, hé, t'inquiète. Peut-être que ça doit exploser pour que tout aille mieux après. Vous, on me dit que vous avez besoin de votre tranquillité, vous avez besoin de repos, vous êtes à la campagne. Alors, pour certains ou certaines, vous habitez à la campagne, vous êtes dans les arts divinatoires, pratiques ésotérisme, etc., etc., etc. Graisseuse, magnétiseuse, pendule, carte, etc. D'accord? Mais en plus, regardez. Là, vous avez la protection totale sur ce que vous allez faire. Protection et bouclier est activé. Soyez en toute sécurité. C'est fini. Ben, ça, c'est notre signe. C'est la mort. C'est la mort pour la renaissance. C'est la rupture. La fin du cycle, elle est maintenant. Par rapport à la jalousie, par rapport à la médisance. C'est pour ça qu'on avait les mauvaises intentions tout à l'heure. Hein. On est archi-protégé. Le bouclier, il renvoie à l'envoyeur. Hein. D'accord aussi hein. D'accord. Je crois qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris qu'on pouvait renvoyer. On me dit que vous avez fait énormément de sacrifices aujourd'hui pour en arriver où vous en êtes. On me dit que là, vous êtes à un croisement de votre chemin. On me dit que c'est un événement proche qui arrive vers vous. Ok. Il y a une personne où vous allez devoir faire rapidement un non-retour. D'accord? Vous allez devoir fuir cette personne. Ou il y a un souci. Parce que je vous dis, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Un événement proche arrive pour vous. On me dit, ça peut être votre concurrent, votre adversaire ou votre pire ennemi. D'accord? Et on me dit que là, il faut prendre la fuite. Ou peut-être que l'autre personne prend la fuite parce qu'elle n'assume pas ses des responsabilités. Vous avez été patient ou patiente. Hein. Là, vous dépassez. Hein. De toute façon, c'est un mal pour un bien. Hein. Ouais. Vous partez sur de nouveaux projets, vous avez des nouvelles idées. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Mais par contre, c'est seul. C'est ça parce que vous êtes bien, très bien seul, d'accord? On a voulu votre ruine, on a voulu votre destruction. Là, vous êtes en train de vous reconstruire parce que vous avez fait un reset. Un reset, ok? Pour partir chercher votre propre renaissance. Et vous partez sur de nouveaux projets, on parle de nouvelles projections, on parle de clairvoyance, on parle de beaucoup de discernement que vous allez avoir, ok? Par rapport à des messages que vous allez avoir de l'univers. Bon, on a quand même la protection, malgré que c'est pas cool, mais on a quand même la protection, heureusement. Allez, nous partons sur le sentimental. Donc, on va aller voir pour ceux ou celles qui veulent avoir un message d'une personne à qui vous pensez ou de votre ex. Hein. Donc, on va prendre les messages de votre autre, d'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ou qu'est-ce qu'elle a à vous dire hein. Ok. Donc, ça va être la personne à qui vous pensez, hein. Ah, ben, écoutez, pour l'instant, on me dit, ensemble, on est plus fort, je crois en nous, tu es ma vraie priorité. Bon, ben, déjà, c'est pas mal, hein. Pour la personne à qui vous pensez.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour continuer ma vie, pour continuer à vivre. Mais j'ai besoin aussi de savoir ce que tu ressens pour moi. J'ai besoin aussi que tu sois honnête avec moi. Tu sais très bien qu'actuellement, ma vie professionnelle me préoccupe. Mais donne-nous une seconde chance. J'aimerais bien que tu prennes soin de toi. J'ai besoin de faire le point aussi sur ma vie professionnelle. J'aime ta force. Tout me semble magique avec toi. J'adore nos discussions. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de rester seule. Parce que j'avais besoin de prendre du temps. Est-ce que tu pourras me pardonner? Sache que j'aime la personne que tu es. Mais j'ai eu du mal à faire un choix. J'avais besoin de faire un point sur ma vie. Maintenant, peut-être qu'enfin, c'est le bon moment. Ou alors peut-être que c'est trop tard. C'était votre message. Je ne sais pas si ça vous parlera. N'hésitez pas si ce tirage vous parle. Abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Donc ça, c'était par rapport à la personne que vous pensez, votre ex. Hein. Du coup, on est beaucoup plus sur le ex. Hein, mais bon. Nous allons partir avec l'oracle Cosmic Love. Allez, un message, s'il vous plaît. Pour mes amis scorpions, un message. Ah, pour certains, trahison, jalousie, médisance. Voilà, tout à l'heure, hein, on en revient tout au même. Hein. Donc là, vous avez fermé la porte à tout cela. Vous reprenez vos forces comme un lion ou comme une lionne. Là, vous partez sur l'abondance. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de soucis de jalousie au niveau de l'abondance qu'on peut avoir, ou de l'abondance spirituelle qu'on peut avoir. D'accord? Bah oui, tout simplement parce que nous sommes des femmes ou des hommes sacrés. Nous sommes des dirigeants, ça c'est clair. On nous envie pour notre charisme aussi. Hein? Il y a des personnes qui nous en veulent. Hein? Il y a des personnes qui ont des dents contre nous. Hein? Regardez, nous avons la protection. On a toujours la protection là. Il y a quelque chose qui vous a fait pleurer, il y a quelque chose qui vous a attristé. Mais vous reprenez espoir là. Il y a quelque chose qui vous a brisé. Il y a eu des disputes avec quelqu'un. Peut-être aussi que vous avez besoin de faire confiance aux autres. On me dit que là, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. Par contre, on me dit qu'il va falloir maîtriser des choses. Peut-être que vous allez devoir faire une pause. Peut-être les bonnes nouvelles, c'est je sais où je dois aller, je sais ce que je dois faire, mais je ne dis rien. Je reste dans le silence, je ne dis rien à personne. Parce que si je commence à dire quelque chose, je suis prise à partie. On va encore me faire mal. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous font mal avec du marc de café. Je dis ça, je dis rien. Je ne sais pas. On me dit que là, vous êtes livré à un lourd combat solitaire. Septembre, octobre, novembre. Vous avez passé du temps avec une personne que vous chérissez. Ben, c'est pas compliqué, ça peut être un chéri, ça peut être un super ou une super amie. Parce qu'on parle d'amis fidèles, on parle d'un compagnon de route. Hein. Passez des bons moments avec cette personne que vous aimez. Que ce soit sentimentale ou amicale. Septembre, octobre ou novembre. Oh, 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 oh. Elles sont toutes neuves, les cartes, donc elles me glissent entre les mains. Allez, on continue. Vous allez recevoir des messages, mais hein, vous serez dans l'ambivalence à ne pas savoir quoi répondre à ces messages. Vous serez dans l'indécision à comment répondre à ce message que vous allez recevoir. Peut-être que vous serez dans l'indécision parce que vous vous demanderez si c'est du lard ou du cochon. Est-ce que je fais tiens? Parce que là, on parle de sentiments. On me dit que
ce que vous espérez va arriver et ça va vous surprendre. Ça va vraiment vous surprendre. C'est la potion magique et c'est l'amour fou qui entre dans la vie. Hein. Il y aura une renaissance pour vous. Il y aura une renaissance pour vous. Pour l'instant, vous avez besoin de vous réparer. Vous avez besoin de vous réparer de votre propre colère à l'intérieur de vous. Et réparer votre petit cœur qui a été blessé. D'accord ? Par contre, pour certains scorpions, on me dit qu'il y a une chance au jeu. Durant tout ce mois de septembre. D'accord ? Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera. J'ai rien d'autre comme message. Après, ça fait 40 minutes. Je suis très, très longue pour une fois avec vous. Écoutez, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Si ce tirage vous a parlé, je ne connais pas votre petite force, j'y réfléchisse. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye, bye.